le show di Piero. Baptistin, voilà le premier assistant. Ouais. Ça va, t'auras assez de monde? Bah là, on peut pas faire plus, alors je crois que c'est bien, ouais. T'as vu la fête à l'étale? Ah, parfait, très bien, merci. Mm-hmm. Par contre, le cascadeur n'est toujours pas arrivé. Je m'en occupe. Bon, et bien bonjour à tous. Bonjour. Bon, je vais pas vous expliquer comment ça va se passer aujourd'hui, hein. Vous avez tous l'habitude de faire de la figuration? Oui. Voilà, super. Alors, c'est très simple pour vous ce soir, puisque vous êtes censé être un public de théâtre. Voilà. Puisque la séquence qu'on va tourner se déroule lors d'une représentation de théâtre. Voyez. Alors, pour vous donner un peu de contexte, le film, ça s'appellera Une étoile est morte. Ça raconte l'histoire d'une grande comédienne assassinée sur scène par son mari jaloux pendant une représentation. Et c'est cette séquence, d'ailleurs, qu'on va tourner aujourd'hui. Celle où le mari jaloux tue sa femme. Autant vous le dire maintenant, ça risque d'être assez long, environ 7 ou 8 heures. Mais vous inquiétez pas, il y aura des pauses à peu près toutes les 3 à 4 heures, hein, il y aura une pause pipi, voilà. Et puis une collation vous sera offerte par là où vous êtes rentré, voilà, en sortant à droite, la salle au fond. Moyennant 30 euros, la collation, ça devrait aller. Voilà. Ah, mon petit Baptiste, oui. Ça avance, on en est où? Eh bien, ça y est, les figurants sont en place. Ah, bonjour à tous. Bonjour. Francis, notre réalisateur. C'est bien, mais j'ai pas besoin de faire ça. Ah bon? Ah ben non, pour ce qu'on va tourner aujourd'hui, le cadre n'ira pas plus loin que ça. Ah oui, le quatrième rang? Ah oui, le quatrième rang, c'est bon. Bon. Toutes les personnes au-delà du quatrième rang, vous pouvez rentrer chez vous. Alors, un truc pour un cadre, là, alors, vous inquiétez pas, vous serez payé, mais on n'a pas besoin. Voilà. On y va. Ah non, pardon. Je me trompe. En fin de journée, on fait les contre-champs. J'ai besoin d'une salle pleine, en fait. Vous êtes loin. Ne bougez pas. Oh, t'as pas vu Lola? Lola? Elle doit être dans sa loge, quoi. Une grande nouvelle à lui annoncer, hein. Oui, c'est quoi? Elle n'a plus que toi, j'ai parlé à ma femme. Merci! Ah. Tu me diras qu'on est prêt à tourner, hein. Ouais. Allez. Ouais. Lola? Chose très importante, attention à vos portables, hein. N'oubliez pas de les couper, et puis, vous savez, pas de photos ni de vidéos, hein, pendant le tournage, s'il vous plaît. Bonjour, mon Baptiste! Philippe! Ah, bonjour à tous. Bonjour. Alors, Philippe Bricourt, qu'on ne présente plus.
Alors, il jouera le rôle du mari jaloux, vous savez, hein, et puis il sera avec vous dans la salle, d'ailleurs. Ouais. Vous allez bien? Ah, on va faire du bon boulot aujourd'hui. Ouais. Ah, Baptiste. Oui, oui. Oui, j'étais justement en train de leur expliquer. Oh, mais oui, mais figurant, mais quel métier merveilleux! On ne vous voit pas, vous êtes mal payé, vous n'avez aucun avenir, mais pourtant, on ne peut pas se passer de vous! Ça fait réfléchir tout de même! Oui, oui, tout à fait, j'étais justement en train de. J'ai commencé comme figurant sur Mission Cléopâtre. C'est là qu'un chabat m'a repéré. Ah, oh, je m'en souviens comme si c'était hier. On allait tourner, j'étais à côté de Gérard, de Pardieu. Je conduisais un char et là, l'un me dit « Toi là-bas, tire-toi !» Non, il t'a viré. Oui, parce que ça a toujours été mon problème. Je rayonne de trop. Ah bon ? Et phosphorescent ? Non, 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 je rayonne de trop. J'ai trop de présence, si tu veux. Ah, d'accord. De toute façon, on ne voit que moi. Tu me mets dans une foule ou à côté d'une vedette, on ne voit que moi. Je n'y peux rien, je ne le fais pas exprès. C'est comme ça, je rayonne. Oh, mais tu dois être drôlement handicapant, dis donc. Tu parles, ça peut foutre une carrière en l'air, hein. Ça, ça me donne pas du tout. Baptiste, tu n'as pas vu Philippe, je le cherche. Mais je suis là. Oh, pardon, je n'ai pas vu. Pas de problème. Dis-moi, il faut que je le pistolet, viens. Ah oui, d'accord. Allez, bon, voilà, donc j'étais en train de vous expliquer que l'on va tourner la séquence où le mari jaloux, interprété par Philippe Bricourt, que vous venez de voir, interrompt la représentation pendant que sa femme joue sur scène. Je ne trouve pas Lola. Mais je ne sais pas, moi. Le cascadeur, il est arrivé? Mais non, pas encore. J'ai une grande nouvelle à lui annoncer. Il va être content. Bah oui. Mais non, pas au cascadeur, à Lola. Bon, quelqu'un a vu Lola? Donc, j'étais en train de vous expliquer qu'on va tourner la séquence où le mari jaloux interrompt cette représentation pendant que... Oui. Baptista. Ah, Rose. Rose Couteau, que vous connaissez. Tu as vu, les figurants sont en place. Tu l'as trouvé où, la nouvelle maquilleuse? Tiens, viens la toi. Qui ça, Christina? Ben, c'est une amie de Jojo, pourquoi? Parce qu'elle est nue, complètement idiote. C'est une cruche. Oui, alors, à mon avis, là, elle peut t'entendre. Oh, pardon, elle parle pas le français. Ah, t'es cruche, là. Tu crois? Ah oui, oui, effectivement. Ça fait une heure qu'elle essaie de me mettre un chapeau et une perruque. Oh, mais elle est très bien, cette perruque. Ah oui, ah oui, celle-là, elle est beaucoup mieux reprise. Tu peux m'expliquer comment on fait tenir un chapeau et une perruque? Mais bien sûr, Christina. Ça? Alors, perruque, le chapeau, bien tenir sur la tête de Rose avec des... Agrafes? Non, pas avec des agrafes. Avec des... Non plus. Non plus. Alors, il faut changer de rayon, c'est pas par là. Hein? C'est un peu plus petit, comme ça, et... Schmitz. Non plus. Ah, ça suffit, j'aime. Et complètement faux. Ah, colle. Non plus. Non. Bon, bref. Où est-ce que j'en étais, moi? Ah oui, donc, chose très importante, après chaque pause, vous n'oubliez pas de reprendre la même place. Hein? Et sinon, on va pas être raccord. Donc là, ils vous ont mis n'importe comment. Non, parce que là, pardon, mais les couples, on n'y croit pas du tout. Hein. Ça ne fait pas du tout. Mais bon, bon, tant pis, on va faire avec. Hein. Pour les costumes. Elle a fait n'importe quoi, la costumière, là. Elle a fait un vide-grenier, ou quoi? Bah non, mais attendez. Je me doute bien que c'est pas vous qui avez décidé de vous habiller comme ça, mais... Enfin, je sais pas, c'est censé être au théâtre, être un peu chic, et là... Bon, allez, tant pis, on verra ça plus tard, mais... Je vais voir avec la costumière, allez. Baptiste. Oui. Baptiste. Oui. Pour la séquence d'aujourd'hui, tu es nouvelle ou pas? Oui, attends, il me semble... Tiens, prends-le là. Voilà ton texte pour aujourd'hui. Voilà. Lola, notre jeune première. Bonjour. Bonjour. Qui sont ces gens? Ben, ce sont les figurants pour faire le public. Ah bon? Mais je ne savais pas qu'on aurait de vrais gens. Ben, si, c'est plus écologique quand même. Vous êtes tous de vrais gens? Ah oui, parle. Qui sont beaux? Pas tout ça. Mais
ça, on ne sait pas, hein, t'approches pas trop quand même. Non, non, non. Ouais. Ils sont calmes. Ah oui. Très calmes. Ah. Ils dorment peut-être. Déjà ? Non. Au fait, Francis ne cherche pas. Eh bien, je suis là, je suis là. Attention. En fait, c'est quoi cette odeur de colle dans les loges ? Ah, alors ça, c'est rien du tout. C'est Rose qui est en travaux. Voilà. Donc, oui, donc dernière chose. Voilà, en tant que public de théâtre, vous êtes censé avoir bah, des réactions de vrai public, quoi, comme bah, rire, applaudir, sauter, crachoter, enfin, bref. Peut-être une standing ovation à la fin, ça, on verra. Bon, mais... tout le monde est prêt, il faut y aller là. Oui, 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 on y va, on était justement en train de travailler les réactions du public là. Ah, Francis, très pensé. Par rapport au rire, est-ce que tu veux plutôt un rire populaire, grave ou genre un peu coincé, un télo? Je sais pas. On va les voir. Ah oui. Alors on va tester le rire populaire. Alors, bien gras. Alors, c'est genre. Attendez. Tous ensemble, vas-y, 3, 4. Ah oui. Là, on sent bien le gras, là. Et l'autre, un télo? Ah bah, un télo, c'est un peu plus avec la bouche un peu cool. Voilà, comme ça. Attention, 3, 4. Ouais. Et bien tu sais quoi? Non. Pas de rire, c'est mieux. Ah bon, mais même pas un peu? Non, rien. Bon, et ben ne riez jamais alors. C'est mieux. Merci. Bon, allez, faut y aller maintenant, on est en retard. Allez, allez, tout le monde en place. Oh, mais Jojo, il marche toujours pas, je vais. Il est bouché, ton truc, fais voir. Qu'est-ce que tu dis avec? Mais je sais pas, tu peux m'aider. Bah, je fais ce que je peux, hein. Allez. Ah, Lola, ma chérie, je te cherche partout. Mais je suis là, je suis chez nous. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Hein. Tu sais que j'ai fait un tour à Dijon, bien sûr. Mais tu diras ça tout à l'heure. Essaye de voir. Ouais. Personnellement, je suis prêt, c'est quand vous voulez. La commande, place en avant. Ah, ça y est, c'est réparé. Merci, Jojo. De rien, de rien. Francis, c'est quand tu veux. Ok. Bah, la lumière, on est bon? Ouais, c'est bon. Super. Ok, bon, on va y aller. On avait dit que... Mais non, les gars, pas là, la vasque, là. Oh là 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 là. Voilà. Ok. Alors, on va tourner la scène en plan large et on fera les plans serrés cet après-midi. Hein, voilà. Alors, on va tourner la scène en plan large et on fera les plans serrés cet après-midi. Bon, bah, là, tu restes en haut de l'escalier. Bon, bah, les gars, tu restes en haut de l'escalier. Les roses et les ouvrons. Les roses et les ouvrons. Magister. Oui. C'est nécessaire. C'est pas assez fort. Baisse un peu, s'il te plaît. Hein? Comme ça. Fous-moi le camp. Et Rose, elle est où? Rose. Ah, Rose, ma chérie. Alors, c'est moi qui est assis sur le banc. Ah, je crois. Ah, voilà. Et Philippe, il est où, Philippe? Mais je suis là. Pardon, vous n'avez pas vu, pas de problème. Toi, tu es dans la salle et tu assistes à la représentation. C'est là que tu dis, tu n'aurais jamais dû me tromper, Jacqueline. Tu n'aurais jamais dû me tromper, Jacqueline. Ah, et ton signal, c'est quand Rose dit un peu foudre. Comment? Oui, et donc, vous lui faites un chut tous ensemble parce qu'il interrompt la représentation. Hein. Oui, alors on va le répéter une petite fois, hein, le chut, hein, si vous voulez bien, tous ensemble. Attention. Ah non, c'est trop, ça fait tempête de neige. Là, non, bah, alors allez-y, monsieur, tout seul. Là. Chut, zéro. Bon, qui a travaillé le chute au conservatoire? Personne? Madame devant un chute. Ah, alors bah, allez-y, montrez-nous, madame. Ah oui! Ah, c'est pas votre premier chute, hein, vous avez déjà chuté, vous, hein? Ah bah oui. Bon, vous serez la seule à faire le chute. Et votre signal, c'est quand Philippe dit Jacqueline. Et c'est uniquement après le Jacqueline que vous faites le chute. Voilà. Voici votre texte. Vous l'apprendrez par cœur, hein. Merci. Quand tout est prêt, allez, cette fois on la tourne, hein. Allez, on la tourne. Allez. Silence partout, mais... Ah, Rose, ma chérie, je me demande si ce serait pas mieux sans le chapeau, hein. Ah, non. Parce que... Non, bah, on garde, hein. Allez. Allez, silence. Allez, silence partout, merci. Motard. Ça tourne. Une étoile est morte, 24 sur 1, première. Et action. Ce soir, nous avons le baron Franz Mitterling à dîner.
de les éteindre. C'est pas possible, ça. Viens, je viens. Alors, c'est madame, non? Ah bah c'est moi. Désolé, Francis, je vais sur la loge, pardon. Allez, on l'a refait. On l'a refait. On l'a refait. Moteur. Ça tourne. Annonce. Une étoile est morte, 24 sur une, deuxième. Et action. Ce soir, nous avons le baron Frank qui nous termine à dîner. Je le trouve tellement ennuyeux, je ne comprends jamais ce qu'il dit. Ah, oh, ma non. Tu n'aurais jamais dû me tromper. Tromper? Oui, alors c'est... Ouais. C'est là qu'il faut dire le chute, madame. C'est pas un truc assez gros, peut-être. Bon, dis ce que j'ai pas dit, Jacqueline. Je l'ai dit. Comment? Oh, quand même. Oh, la caméra, à distance, je l'ai dit. Alors, tu l'as peut-être dit, mais intérieurement. Voilà, c'est ça. Intérieurement. Ouais, c'est pas grave, on l'a refait. Hein, tu l'as pas dit, quoi. Si, j'ai dit. Non, tu l'as pas dit. Mais si, j'ai dit. Non, tu l'as pas dit. Si, j'ai dit. Moteur. Ça tourne. Annonce. Une étoile est bientôt morte, 24 sur 1, troisième. Tu l'as pas dit. J'ai dit. Et action. Ce soir, nous avons le baron Frank qui nous termine la journée. Je le trouve tellement ennuyeux, je ne comprends jamais ce qu'il dit. Ah, moi non plus. J'ai dit notre nom est norvégienne et Anna. Tu n'aurais jamais dû me tromper, Jacqueline. Oh. Charles. Mesdames et messieurs, cette femme que vous admirez tous me trompe. Oh, mais tu es fou, qu'est-ce que tu prends? Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Mais aujourd'hui, je n'en peux plus. Je sais que ton amant est dans la salle et je suis venu pour vous tuer. Tous les deux. Charles. Oh. 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 Ça va, mon Francis? Eh bien, vous André. Et la plus belle, évidemment, c'est Rose. Et je ne dis pas ça parce que c'est ma femme. Regardez-moi ces figurants. Vous direz un vrai public. Bonjour à tous. André, votre producteur. Dis donc, Francis. Quoi? Ils sont nombreux, là, ça me coûte un bras. Bon. Et Philippe? Il est où, Philippe? Mais je suis là. Oh, pardon, je t'avais pas entendu. Ah non, mais quel acteur, quelle présence. Ah, j'en ai produit des films, mais je peux vous dire que celui-là, ça sent Cannes. Ah, ça sent les Césars. Ça sent la colle, non? Voilà, j'arrête de vous embêter. Vous tournez quelle séquence? Eh bien, c'est Lola s'évanouit et tombe dans l'escalier. Oh, formidable. Oui, enfin, c'est une doublure qui va faire la cascade. Il est arrivé? Non, bah, je le rappelle tout de suite, hein. Oui. Bon, en attendant, on fait une pause, hein. Allez, pause pour tout le monde. Voilà. On se voit tout à l'heure, mon petit Francis. Oui. Ah, Francis, oh, dis, tu vas bien pour moi? Oui. Par rapport à mon handicap. Lequel? Oh, bah, j'en ai qu'un, tu sais, je rayonne de trop. Tu picoles de trop? Non, je rayonne de trop. J'ai tendance à... Ah, ça peut être parfois difficile à gérer. Ouais. Bah, jusque-là, tout va bien. Hein. Mais dès que tu commences à clignoter, je te le dis. Oh, t'es gentil. Oui, Christina, j'aurais besoin d'un raccord maquillage. Maquillage? Non. Maquillage. Ah, coquillage. Voilà, c'est ça, coquillage. Allez. Lola. Lola. Je suis là. Oh, nouvelle à t'annoncer. Ah, d'accord, hein. Ok. Ouais.
Jojo, tu pourrais m'apporter un thé, s'il te plaît. Ok, ça roule, va prendre. Tu sais que j'étais un... Merci, t'es en avance. Tu sais que j'étais un aller-retour, Jojo. Et avec un petit peu de lait. D'accord. Tu sais que j'étais un aller-retour... Mais pas trop non plus. Tu sais que j'étais un aller-retour jusqu'à Jojo. Et un petit peu de sucre aussi. Tu sais que j'étais... Pas trop non plus. Oh, Lola, tu m'écoutes. Mais je sais que ça... Ah, bon. Eh bien, tu sais que j'étais un aller-retour... Voilà. Oui, merci. Ah, merci. Ah, bon. Il y avait plus de lait. Tu sais que j'ai fait un aller-retour. J'ai mis ici. Oh, garde-toi. Fous-moi le camp, tiens-toi. Allez. Je t'écoute, ma chouchine. Oui. Bon. Eh bien, tu sais que j'ai fait un aller-retour jusqu'à Dijon hier soir. Ah bon? Oui. Bon, ben, tu sais pourquoi. Parler à ma femme. Et de quoi? Et bien de nous. Je lui ai dit pour nous deux. Je vais divorcer. On va enfin pouvoir vivre ensemble. Mais pourquoi? Et bien parce que ça. Ah oui. T'es heureux. Ah, on va même pouvoir se marier. Francis. On n'aura pas de cascadeur. Quoi? Ouais, il est à l'hôpital, il veut te parler. Maintenant? Ah oui, oui, j'ai rien compris. Ah, ça. Non! Ça va, vous avez rien? Oui, mais bah, qu'est-ce qui se passe? Mais j'en ai rien à foutre que votre femme ait la couche, ça vous empêche pas de venir! Elle peut pas repousser à demain? Il a passé la moi. Je reviens mon endroit tout de suite. Hein. Oui! Il a poussé, madame, poussé. C'est fou, hein? Et... Il se doute de rien. De rien? Oh, toi! Oh! Attends, il est à côté quand même. Non, soyons raisonnables. Alors, c'était quoi cette grande nouvelle? Quelle grande nouvelle? Mais Francis, il avait une grande nouvelle à t'annoncer. Il veut divorcer, il veut m'épouser, mort de rire. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Ah bah, il ne m'en parle pas. Bah, enfin, si, quand même un peu, non? Ah bon? Bah, enfin, Francis, il veut quitter sa femme pour toi, alors que vous couchez même plus ensemble, alors... Ah bon? Enfin, Lola, avec Francis, vous couchez plus ensemble? Non, beaucoup moins que avant. Comment ça, mais beaucoup moins qu'avant? Ah bah t'es gentil toi, tu m'avais dit qu'il fallait qu'on attende la fin du tournage et qu'il fallait pas faire de vagues. Ah oui, donc vous couchez toujours ensemble alors? Mais tu sais bien que c'est toi que j'aime. Oh, oh bah ça va alors. Merveilleux. Bah oui, je veux. Mais tu le dis bien pour nous deux. Non, attends, j'ai l'habitude. Ah, ça y est, j'ai fini de l'écrire. Ouais. Et tu l'as donné en nom? Non, pas encore. Qu'est-ce que tu attends? Tu me tires les cheveux là. Tu vois André tous les jours. Oui, c'est vrai, c'était pas encore le bon moment. Il est là le bon moment. Tu continueras à donner des scénarios? Tu lui dis bien que le rôle de Clara, c'est pour moi. Oh, ah, mais bien sûr. Mais le premier rôle, Clara, je l'ai écrit pour toi. Oh, mais je crois que c'est pas gagné. Ah, comment ça, c'est pas gagné? Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais que ça coûte cher de produire un film. Le rôle de Clara est pour moi. Oui, tout à fait. J'ai peur que les producteurs, ils veuillent une vedette. Et toi, t'es pas encore. Pas encore, ça va venir. Tu veux une vedette. Et vous faites... Mais t'en fais pas, je t'imposerai. Hein. Voilà. C'est vrai? Oui, promis. Oh! Toi? Tiens, ah. Donc, il faut pas le faire. Non. Lola! Alors, ça, non! Ça, je ne fais pas. C'est pas ça non plus. Ça serait quand même plus simple, ma colombe. Si j'avais la signature sur les comptes, ça t'éviterait toutes tes paperasses. C'est ça, oui.
sais, c'est compliqué de produire un film aujourd'hui. C'est de plus en plus compliqué. Tu devrais me laisser faire. T'étais où cette nuit? Oh, j'ai travaillé toute la nuit. J'ai pas fermé l'œil, j'ai une tête comme ça. Et ça? C'est quoi ça? Ce sont des fleurs. Pour ta maîtresse. Bon, oh, j'ai pas de maîtresse. Elle m'a vu. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ça oui. Oh, bah non, ça non. Mais si, je voulais te remercier pour le rôle que tu as joué. Ah, c'est pas vrai qu'il faut remercier, moi je ne te voulais pas. Ah oui, je comprends, à cause de mon handicap. Okay. Moi j'en ai qu'un, tu sais, je rayonne de trop. Ah, tu as Non, j'ai un
de faux sur le plateau et c'est pas très facile à vivre. Comment qui? J'ai une idée sensationnelle. Hein. Pour le week-end, je t'emmène dans mon mât provençal, dans le Perche. Comme ça, génial. Oh. Comme ça, je te présenterai mes parents. Il y aura mes frères et sœurs aussi. Et il y aura peut-être mes grands-parents. Francis. J'arrive. Et à la fin du tournage, on fera un petit voyage tous les deux en amoureux. À Venise? Non, tu connais la Picardie? Francis, on reprend où exactement? Ah, bah tiens, bah, on va reprendre au moment où Philippe dégaine et dit « Je sais qu'on en est dans la salle et je suis juste de Et Philippe, il est où, Philippe? Présent. Oh, excuse-moi, je t'as compris? Oui, oui. À ta place. Et tout le monde en place. Ah, et vous, les figurants, au moment où Philippe dégaine, vous ferez « Oh hein !» Alors, on va le répéter une petite fois, hein, tous ensemble. « Oh !» Attention, ouvert. 3-4. Oh non, alors vous n'êtes pas au cirque, il fait pas un numéro de trapèze. Non, madame, elle avait chute. Ah non. Non, c'est fini de chute, madame. Maintenant, on va essayer un voilà. Allez-y, montrez-nous pour moi. Fantastique. Ah bah, c'est pas votre premier A, vous avez déjà haï, vous. Essayez avec un sniff. Et un crack, et un burk, et un brout. Oh. Oui, bah, c'est bon, on a compris. Hein. Allez, on y va. Baptiste, t'es prête? Tu vois, ça ne marchera jamais. Mais si, t'es très mignonne. C'est fou, on dirait mon père. Tu vois? Bon, ben allez, tu te mets là aussi, s'il te plaît. Hein. Donc, on reprend au moment où tu me dégaines. Non, plus haut. Là? Non, monte. Oh, c'est déjà haut, là. Monte. Bon, donc, Philippe dit sa phrase, il dégaine, tu t'évanouis. Mmh. Tu veux qu'on la refaite? Tu veux tomber une fois la tête la première pour voir? Non. Eh ben alors, on y va. Et on n'oublie pas de couper les portables. Mais oui. Et le clap, qui fait le clap? Ah, moi, je peux faire le clap. Tu restes là-haut, toi. Et Christina peut faire le clap? Ah oui, ben Christina, très bien. Eh ben, je vais faire le clap. Voilà, c'est ça le clap. Voilà. Allez, silence partout, merci. Moteur. Ça tourne. Annonce. Clap. Alors, tu lis ce qu'il y a écrit et clap. Ah, zir casse merde là. On a changé. Et clap. Et clap. Non, alors il faut l'ouvrir et clap. Clap. Et il faut le fermer. Non, mais attends, je vais montrer, ça c'est simple. Ah, clap. Ah, bon, allez, il n'y arrivera jamais, je vais le faire. Tu restes là-haut, toi, et tu tombes. Ça tourne toujours. Oui, oui. Non, bah c'est bon, allez, on y va, hein. Allez, action, vas-y, Philippe. Je t'aime. Quand tu veux. Je t'aime. Mais vas-y, Philippe. Mais j'ai commencé, là. Alors, je t'aime, je t'ai toujours aimé, mais aujourd'hui, je n'en peux plus. Je sais, ton amant est dans la salle, et je suis venu pour vous tuer. Tous les deux. Chant. Ah. 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 Coupé. C'est coupé, la lumière, elle va bien. T'appelles ça s'évanouir? Oui. C'est pourtant pas compliqué, hein. Tu t'évanouis et tu tombes en avant la tête la première. Oh, mais c'est haut quand même. Je sais pas, y'a rien, y'a même pas de coussin. Eh ben on va te mettre des coussins si t'as peur. Jojo, des coussins. J'ai pas quatre bras. Oui, mais là, il faut des coussins. Oh, la chochotte. Bon, sinon, pour les autres, c'était très bien. Hein. Et vous aussi, le haut, c'était parfait. Mais qu'est-ce qui se passe, Francis? On fait une proue. Ah non, tout le monde reste en place. Hein. Jojo, on attend deux secondes. Hein. Ah,
quoi, Francis, là? Faut faire du camp et le camp, c'est de l'argent. Oui, vas-y, ça, va des coussins. Oh, la chouchoute. Les deux coussins, deux. Jojo. Oui. C'est une illusion d'optique ou ils sont tout petits, les coussins? Ils sont tout petits. D'accord. Allez, on y va. Hein. Et on coupe les portables. Oui, oui. Allez, silence partout, merci. Moteur. Ça tourne. Annonce. Séance cascade où Batista va s'éclater la tronche par terre. Ah, ah c'est fin ça. Et clap. Non, ben, et action. Je t'aime, je t'ai toujours aimé, mais aujourd'hui, je n'en peux plus. Je sais. Oh, mais non, mais c'est pour ça que tu vas lui apprendre. Mais elle se joue en enseigne. Oh. On a fait cette pauvre Francis. Ah non, 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 tout le monde reste en place. Hein. Jojo, là pour deux secondes. Oui, bah. Francis. Oui. Je peux te parler deux minutes? Vas-y. J'ai bien réfléchi. Et après mes réflexions, je pense que je vais pas le faire. Mais voilà. Pourquoi? Tu risques rien de mes coussins. Mais non, mais ils sont tout petits, puis. Je sais pas, je les connais même pas. Non, ça se trouve, c'est. C'est des coussins éloignés ou je sais pas, non, mais non, je veux pas, je veux pas, je veux pas, voilà. Mais les affolements, qu'est-ce qu'on va faire comme toi avec ces détails? Je suis pas sûr que vu d'ici, ça fait pas peur. Ah oui, ah bah alors viens, viens là, Francis, parce que je t'assure que d'ici, beaucoup plus, hein. De toute façon, tu risques rien, je suis assuré. Oui, bah non, merci, André, ça va, merci. Bon, Jojo, laisse tomber, on enchaîne. Quoi? Bon, laisse tomber, il peut pas le faire. Oh la chouchoute. Oh c'est petit, on est tous amis, c'est la fête, la fête. Comment ça, c'est fini entre nous? C'est fini, chouchinou, c'est tout. Attends, attends, c'est la différence d'âge qui te gêne. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Lola, non, non, mais attends, mais je veux faire de toi une star. Tiens, je te prends dans mon prochain film. Ah bon, c'est quoi? Une pute pour les saucisses de Francfort. Mais tu peux tout jouer. Lola, j'ai tout quitté pour toi. Ma femme, mes enfants, mon chien, ma voiture, mon barbecue. Je t'aime, moi. Si tu me m'écris un poème, tu veux que je te lise? Attends, mais quoi? Non. Lola, attends. Alors, tu parles, là. Lola, attends. Lola. N'insiste pas, Francis, je ne tomberai pas de l'escalier. Voilà. Ah. Donc, tu vas voir, c'est un poème que j'écris pour toi, c'est pas long. Il y a plein de double sens avec les métaphores et tout. Bon, écoutez. Quand je dis moteur, mon gros zoom s'éveille. Il cherche ton gros plan, le trouve et s'émerveille. Trave lumière avant, trave lumière arrière, je te prends devant, derrière. Au firmament du 7e art, tu astiqueras mon Oscar. T'as compris les métaphores? Ah oui, ça, on a compris. Et puis j'en ai plein d'autres, j'en écris tous les matins, alors. Merci pour ce grand moment, Francis. Mais je préfère qu'il en reste là. Attends, Manola, t'es fatiguée, c'est la pression du tournage, c'est normal. Hein. T'as besoin de prendre un peu de recul. On va aller se reposer tous les deux en Picardie, et après tu verras plus clair. Hein. Mais je n'ai pas envie d'aller en Picardie, là. Tu préfères la cause. J'ai un petit mobilhome sur un terrain, c'est très mignon. Une lapeuse, un petit peu de flambeau. J'ai quelqu'un. Quoi? J'ai quelqu'un d'autre. Je te quitte pour un autre. C'est qui? Je le connais, c'est quelqu'un de l'équipe. Arrête. C'est quelqu'un de l'équipe. J'en étais sûr, je le sentais. Lâche-moi. C'est une ordure, j'aurai sa peau. C'est un technicien. Lâche. Moi! C'est moi qui sais! Ah! Oh! Attention, chouchinou, tu vas finir par m'énerver! Ah! Lola! Ah, pour la fin du tournage, je saurai qui
pause pipi pour tout le monde. Hein. On se rejoint ici dans 15 minutes, parce qu'on a 2-3 trucs à régler. Donc, je vous rappelle, hein, la collation, c'est juste en sortant, la salle à droite au fond, et on se rejoint dans 15 minutes ici, et on n'oublie pas de reprendre exactement la même... Ah voilà, super, à tout à l'heure. André, je peux vous parler 2 minutes. C'est au sujet de mon scénario. Ah, ton scénario. Ah oui, je l'ai lu. Oh, formidable. Oh, alors, quelle finesse, quelle poésie. J'ai été bouleversé. Ouais, merci André, je suis très touché. Hein. Mais je ne vous l'ai pas encore donné. Mais vous vous en rappelez peut-être, je vous en avais déjà parlé. Hein. C'est l'histoire d'une jeune fille qui perd ses parents pendant la guerre. Et qui se réfugie chez les collabos qui la torturent. C'est une comédie. Ah bon? Ah oui! La grande vadrouille, la 7e compagnie. Un coup de bicyclette, un pompe à vélo. La guerre, c'est toujours drôle. Ah oui? Bah, en tout cas, là, c'est l'histoire de ma grand-mère. C'est l'histoire vraie, quoi. Elle a dû se marrer, hein. Ouais, pas tous les jours, non. Enfin, voilà, je vous disais que je pourrais peut-être... Qu'est-ce que c'est? Un mon scénario? Ah oui! Bah tiens, je veux là. À la tire à loin. Je sais pas. Si, s'il vous plaît. J'aime bien. Alors, comme c'est un peu moi qui l'ai écrit, c'est du bébé, je me disais que je pourrais peut-être le réaliser moi-même. Bah évidemment, qui donc? Après tout, c'est ta grand-mère. Ah, super. Et au sujet du premier rôle. Ah oui, le premier rôle. Ah, c'est important ça. Faut pas se tromper. Oui, c'est ça. Donc, du coup, j'avais pensé de... Et ta grand-mère, elle peut pas le faire. Oh, non. Elle a plus l'âge du rôle. Oh, un petit coup de blush. Ah, bah non, 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 non. Ah, bah non, c'est pas possible. Elle est morte. Et c'est définitif. On n'a plus de nouvelles, en tout cas. Oh, bah alors, on oublie. Oui, c'est ça. Ouais, on oublie. Donc, pour le premier rôle, voilà, j'avais pensé de demander à Lola. Lola. Impossible. Elle est mignonne, Lola, mais elle n'est pas bankable. Ah bon? Vous croyez? Ah non, non, non. Hey, c'est ton premier film. Oui. Non, si tu prends Lola, tu te tires une balle dans le pied. Ah bon? Oui, ah, oui, oui. Non, non, parce que moi, je vous ai dit que quand même... Non, il te faut du lourd. Aïe. Si, Luigi, what's that? Si, la mamma, va venir la mamma? Si. Et les vampires, les vampires. Oh merde. Ah, attends, non. Je vous reçois. Non, c'est bon. Oui, bien sûr. J'allais t'appeler, justement. Eh oui. Baptiste, c'est personnel. Oui, mais ça, c'est mon texte. Oui, merci. Oui, Rudy. Eh oui, bien sûr. Bah, tu me connais. Je meurs toujours mes dettes. Eh oui. Ah, on avait dit combien déjà? 60 000, hein, c'est bien ça. Hein. Oh la vache. Vous dites, ça a coupé. J'ai plus de pièces. Oh la vache, de vache, de vache, de vache. Oh la vache. Rose. Ma rose. Ah, Christina, vous êtes là. J'ai un petit souci avec ma robe. Vous pouvez regarder. Cassée? Non, pas cassée, décousue. Ça y est, quoi? Voilà. Ah, Rose, la colombe. Je te cherchais partout. Oh, j'en ai pas pour longtemps, j'en ai pour une minute. Christina, vous pouvez nous laisser seule un instant? Non, 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 laisse-la faire. Elle est en train de reboucher un bourrelet. Ah.
C'est au sujet de mon chèque. Je crois que tu as fait une petite erreur. Ah bon, c'est quoi? Tiens, regarde. Ah oui, pardon, j'ai oublié la date. Autant pour moi. Mais non. La date, c'est bon. Non, c'est le montant. Hein? On avait dit 60 000 euros. Pas 6 euros. T'as oublié les zéros, ça arrive à tout le monde, hein? Non, André, j'ai rien oublié du tout. C'est bien 6 euros. Comment ça? Ah ben, tu peux t'en payer des boîtes de lunettes avec 6 euros. Ah oui, ah ben c'est drôle, hein, c'est drôle. Hein. Non, mais sérieusement! Ah, je suis très sérieuse, André. 6 euros, c'est tout. Tu n'auras pas un soutien. Enfin, Rose, maintenant, je vois paraître insistant. Mais les frères Luciano ne sont pas du genre accommodant, hein. Mais qu'est-ce que tu veux de ça? Ah ben toi, je sais pas, mais moi, si je ne rembourse pas ce soir, me casse les jambes. Ah ben, tu pourras toujours jouer du piano. Non, mais attention, hein. Les Luciano, c'est des vrais méchants, hein. C'est pas les petites frappes, hein. Frappe? Je ne sais pas, mais ce n'est qu'un début, de toi. Parce que je vais t'en demander des divorces. Enfin, pourquoi? Parce que je ne t'aime plus. Ce matin, je me suis réveillée. Tu n'étais pas là, comme d'habitude. Et j'étais heureuse. Alors, j'ai décidé d'être heureuse tout le matin. Tu vas donc faire ça, là. Et pour commencer, tu es virée. Ah non, ça, tu n'as pas le droit. La société de production, c'est à moi. C'est mon argent et je fais ce que je veux. Tu quittes mon appartement ce soir. Et mes avocats prendront contact avec les tiens. Enfin, payer. Alors, si tu crois que je vais me laisser faire, c'est bien mal me connaître, hein? C'est fini? Non! Pardonne-moi, le soutien marre le réclame. Ah, ça va faire vite! Ah, bourdais! Là! Rose, ma colombe! Oublions tout cela! Je te pardonne! Baptistin! Oh pardon, excuse-moi, Philippe, je n'avais pas vu. Dis, tu sais pas où est Christina? J'aurais besoin d'un accord coquillage. Coquillage? Non, je ne sais pas, mais attends la marée haute peut-être? Ah oui, bah merci. Oh dis donc, il y a de l'eau dans le gaz entre Francis et Lola. Ah oui? Tu m'étonnes. Remarque, entre nous, là échappe est belle. Ah oui, comment ça? Bon, elle est un peu spéciale, la petite. Tu savais pas? Non. Elle est complètement... Elle peut devenir hyper violente d'un coup. Lola? Oui, moi j'ai un copain réalisateur. Il devait tourner un film avec Lola dans le premier rôle. Finalement, il a pris quelqu'un d'autre. Et ben, je peux te dire qu'elle l'a pas loupé. Hein. Ah oui, comment ça? Enfin, il va mieux. Il est toujours aveugle, mais il recommande toujours à marcher. Ah, bah, tant mieux. Enfin, là, c'est différent. C'est elle. Il risque rien. Lui, il risque rien. Excuse-moi. Christina! Je voulais te demander, comment est-ce que tu dis en romain quand vous êtes une vie pour votre fille? Alors! Oh ah! Ah, c'est toi, mon amour! Alors! Alors quoi? J'espère que tu as donné le scénario à André. Mon scénario? C'est formidable. Il a dit ça et il a dit, tu ne deviendras jamais. Il a dit, et je veux que Lola ait le premier rôle. Non. Ouais. Ah, je l'ai, mon premier rôle, je l'ai. Oh, je l'ai. Ah, ah, ils en sont tous secoués, hein. Ouais, j'espère juste que tu pourras faire le film, sinon... Comment ça? Non, mais je sais pas, moi, imaginons que... Allez, les Américains te proposent de faire un film avec DiCaprio, par exemple. Oui, mais on ne le propose pas. Enfin, Lola, un film avec DiCaprio, quand même, ça se refuse pas. Ah, ben, certainement, mais on ne le propose pas. Ah non, mais je ne tente pas du tout. Ah non, mais tu veux tenter ta chance aux États-Unis, mais... Alors ça, je le comprends tout à fait. Lola, je ne peux pas être la personne qui t'empêche de faire une carrière internationale. Enfin, ça, je peux pas. Non. Mais qu'est-ce que tu racontes? Si je suis déçu. Oh! Oh, mais je suis déçu!
Mais qu'est-ce que tu veux, mais t'es pas libre, t'es pas libre. On en fera d'autres des filles, mon amour, hein, t'inquiète pas. J'en veux pas du tout. Écoute-moi bien, chouchounou. Oui. Je suis libre. Ah, bah c'est une bonne nouvelle, ça. Mais là, tu me fais mal. Non, pas là, là. Ah, si, si, si. Là, je ah, mal. Oui, c'est mieux, là. Aïe. Oh. En fait, c'est fini avec Francis. J'ai dit que j'avais quelqu'un d'autre. Ah oui, t'as quelqu'un d'autre, c'est qui? Ah non, non, pardon, pardon. Et comment il a réagi, Francis? Mais on s'en fout, j'ai un premier rôle. Non, ah quoi? Ah oui, oui, par contre, c'est pas si fort. Alors, par contre, par contre, la personne, hein. Ah, voilà, hein. C'est un secret. Hein, on n'en parle absolument à personne. Discrétion, voilà. Elle veut me quitter. Comment? Lola veut me quitter. Ah bah t'as de la chance. Non non non, pardon, je voulais dire c'est bien la France. Ah. Elle a un amant. Non. Elle me l'a dit. Mais tu sais pas qui c'est? Non. Oh bah ça va alors. C'est une ordure. Non, 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 c'est pas une ordure. Quelqu'un de l'équipe, vous c'est sûr. Ah oui? C'est sûr. Elle aurait jamais pris la maman, ma Lola. Elle est innocente. Ah, oh, juste, j'aurais pas dit ça, mais. Mais quel salaud! Non, mais t'imagines un salaud pareil! Qu'est-ce que tu ferais à la place? Tu le tuerais? Non. Non, non, pas forcément, non. Moi, je vais le tuer. Mais avant, il va souffrir. Non, 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 mais attends, 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 attends. Et si c'était Lola qui l'avait séduit? Oh, à mon avis, elle n'est pas pour rien dans cette histoire, hein. Ah oui, ouais. Alors tu crois que je devrais les tuer tous les deux? Oui. Non, non. Mais on ne tue personne, Francis. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a, elle a sa part dans le gâteau, voilà, c'est tout. Et Francis, c'est ce qu'on dit, deux perdus, dis-y au revoir. Qu'est-ce que je vais devenir sans ma Lola? Je peux pas vivre sans elle, elle est tout pour moi. C'est mon univers, ma Lola. Ma vie, mon soleil. Non, non, ça c'est le texte. J'avais prévu de l'emmener en Picardie. La vénarde. Tu connais Villers-Bretonneux? Non, non, non. C'est une trentaine de kilomètres d'Amiens, un bon quart d'heure par N25. C'est bien, on ira à pied, hein. Non, mais enfin, Francis, allez, arrête de penser à cette histoire d'amant, là, reprends-toi un peu, ressuscite-toi. Allez, pense à ton film, Francis. Allez, quand même, c'est ça le plus important, non? Oui, oui. Voilà. Moi, je suis un professionnel avant tout, hein. Exactement. Allez, on n'en parle plus. Mais bon, on n'en parle plus. Ah, bah ça, c'est chouette. C'est terminé. Mais bah, c'est terminé. Et bon, voilà. Bon, bah, qu'est-ce qu'on va tourner maintenant? Alors, on va tourner, tiens, la scène de l'amant. De l'amant? Non, mais, Francis, Francis, dès que je vois Philippe, je lui demande de commencer par sa scène, d'accord? Francis! Francis! Non, oui, oui, attends, ça coupe, là. Ah, ah, là, oui, oui, là, c'est mieux, oui. Dis-moi, j'ai jeté un coup d'œil à la voiture que tu voulais acheter. Ah, oui, Jojo, oui. Je demandais, Christian, tu la connais bien? Oui, très bien, mais t'as vu qu'elle avait des poils de flic, là. Comment? Bah, t'as pas remarqué. Oh, bah non, tu sais, je la connais à peine. Ah, bah, c'est avec ça. Ah bon, il y a quoi d'autre? Bah, le matin, l'allumage, quand elle est froide, elle a un petit peu de mal, hein. Ah, dur. Ouais, mais bon, ça reste une bonne affaire, hein. Tu m'étonnes. Et puis, t'es prêt à mettre combien? Ah, parce qu'il faut payer. C'est toi qui le vends, mais si tu veux une grande... Ah oui. Eh ben alors, c'est celle-là qu'il faut. C'est de première main, elle est hyper souple, la carrosserie a été refaite à neuf, et elle a un ton grand. Ton grand? Ouais. Super pratique l'été. Ah, ok. Ouais. Ok, je te laisse pas foutre, j'ai du taf. Lisa. Ah, mais t'as une tête, Jojo? Ah, ouvre, Francis. Non, pardon, moi c'est Philippe. Ah oui, Philippe. Excuse-moi, je t'ai pas dit. Dis-moi, Christina, tu la connais bien? Oui, très bien, pourquoi? Bah, parce que je crois que j'ai les chances avec elle. Ah ouais? Ah,
Oui, dès le début, j'ai senti qu'elle était pas insensible à mon charme. Tu connais mon problème. Ah ouais, tu... Jackson? Non, je rayonne. Ah oui, c'est vrai. Ben vas-y, qu'est-ce que t'as ton fond, ça? Bah, il y a même un petit problème de communication avec elle. Clap, clap, dada... Eh ben, ça fait déjà 4 mois. Oui, mais bon, pour un cabinet, c'est maigre. Tu pourrais pas lui demander, toi, si elle est disponible de toi? Oh, si tu veux aller. Ah, c'est sympa. Tiens, la voilà. Christina, viens voir. Viens. Viens. Elle n'est pas libre. Alors là, je suis sié. Complètement sié. Mais rien vu, mais rien du tout. Enfin, ça ne gêne pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais là, c'est chaud. Elle y va pas de ma mort, deux jours, hein. Allez. Ah tiens, t'as pas vu Philippe? Non. Ça me si c'est reçu là. Ah oui, pardon. André te cherche partout. Oh, dis donc, t'es au courant pour Jojo et Christina? Quoi? Bah, elles sont ensemble? Non. Mais si. T'es sûr? Mais oui, je les ai vues. Jojo? Oui. Jojo et Christina? Eh oui. Ça, mais j'ai jamais cru. Moi non plus. Bah franchement, Jojo avec un homme. Alors là... Je l'ai vu! Comment? Ton scénario, je l'ai vu! Ah, tu l'as vu? Oh, c'est formidable! Formidable! Il y a longtemps que j'ai pas lu quelque chose d'aussi sensible. Tu es con, hein? Oui, le destin de cette femme pendant la guerre et son histoire d'amour entre pilote en guerre, c'est très très fort, on va dire. Si je prends rose, je suis très touché. Tu sais, qui prend les femmes, toi, tout puissant. Oui, je te sens bien, la rose. Alors, non seulement je veux jouer dans ton film. Ah, mais bien sûr. Mais je veux le produire aussi. Ah oui, oui. Ah, parce que André m'avait dit qu'il était prêt. Oui, André. C'est rien, André. Il est fini. C'est moi qui le produis. D'accord, je suis entièrement d'accord, de toute façon. Ah, et au sujet du coup du premier rôle, Clara, t'avais dit. Oh, je vois très bien comment tu vas être ravissante, adolescente, avec ses forces et ses faiblesses. Excuse-moi, Rose, mais de quelle adolescente parles-tu là? Eh bien, de Clara, du premier rôle. Tu veux jouer le rôle de Clara? Évidemment. D'accord. Alors, à mon avis, le rôle le plus intéressant quand même, c'est celui de Martha. Martha? Oui, la grosse prostituée allemande. Oh, mais la fille. Oh, mais elle est drôle! Oh, bah si, quand même, à un moment, elle écarte le rideau. Non. Pour moi, il n'y a qu'un seul rôle possible, c'est celui de Clara. Oui, alors, à mon avis, je t'assure que le rôle de Martha est un peu plus profond. Ah, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver pour notre petite Lola? Pardon? Je parle du film de Batista. Non, c'est rien. C'est rien. Non, comment ça, c'est rien? C'est pas rien, je vais te produire le film. Ah bon? Mais je ne savais pas, Rose. Oh, mais moi non plus, dis donc. Tu as aimé le scénario, alors? Oh, j'ai adoré. Et le premier rôle féminin est juste magnifique. Je me suis tout de suite identifiée. Oh, magnifique. Franchement, n'exagérons rien. Oh, alors, tu fais sans mon gueule. Mais pourquoi tu ne jouerais pas dedans, toi, Rose? Ah, là, je le sens mal. Je suis Clara, la jeune héroïne. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne sais pas, c'était pour moi. Si. Attends, c'est parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a deux, des Clara. Voilà. Et là, elle parlait de la Clara jaune à plumes. Voilà. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire, notre petite Lola? Baptiste, je crois qu'on m'appelle. Reste ici. Oui. Oui, c'est ça, pour réfléchir, oui. Oui, c'est ça, on verra plus tard. Voilà, c'est ça. Allez, au revoir les enfants, je vous laisse, on vous calme. Oui, j'espère. franchement, je peux vraiment, mais alors, tout expliquer. C'est assez simple, hein, parce que, en fait, tu vois, Rose, elle est apparue comme ça, elle m'a dit qu'elle avait lu le scénario, et que, du coup, Ah non, pas les yeux, 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 pas les yeux. Non, 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 non,
difficile dans ce métier. Et qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Eh ben, c'est exactement ça, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. C'est ça. Et sache que là, je t'en veux. Pas du tout. Ah, ah, bah tant mieux alors. Parfois, il faut savoir faire des concessions. Oui, c'est la vie. Oui. Et sache que moi, je sais que tu feras tout que j'ai le premier rôle. Ah oui, 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 ça c'est sûr. Promis, 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 promis. Ah oui, hein. J'ai entièrement confiance en toi. Tu peux. Hein, parce que de toute façon, t'es mon amour, hein, t'es ma colombe, t'es ma tracotte. Voilà. Bon, Tristan, on fait quoi? On reprend? Ouais, mais oui, Jojo, allez, c'est parti. Allez, on reprend, là. Bon, tout le monde en place, on reprend. Allez, tout le monde en place, on reprend. Les lumières, c'est bon? Non. T'as pas vu Philippe? Déjà, c'est là. Ah oui, tu as ton pistolet? Ah non, pas encore. Tiens, je l'ai chargé à blanc. Ah, c'est gentil, merci. Un thé, un café, une tisane, tu veux quelque chose, ma rose? Oui, j'aimerais. Francis, on reprend. Avec ou sans sucre? Francis, on reprend. Tout le monde en place, on reprend. Qu'est-ce qu'on tourne là? Alors, on avait dit qu'on faisait la scène avec de l'amant. et j'y ferai dans cette scène? Bien sûr. Mais on avait dit qu'on prenait qui pour faire l'amant? Alors, comme c'est un petit rôle, on avait dit qu'on prendrait un figurant. Ah oui, c'est vrai, donc un figurant. Alors, donc il nous faut un amant. Bon, alors donc tu veux quel style? Parce qu'on a un peu de tout. Pas trop jeune quoi. Comment ça, pas trop jeune? Oui, pourquoi pas trop jeune? Non, enfin, je voulais dire quelqu'un d'expérience quoi. Oui, parce qu'il faut quand même que ce soit crédible avec notre couple, pas 20-25. Oui, voilà. Bon, alors, qui parmi vous, s'il vous plaît, pourrait faire l'amant? Bon, alors attention, il faut qu'il ait une chemise bleue, parce qu'on l'a déjà vu dans un plan précédent, il faut qu'on soit d'accord. Très bien, alors qui parmi vous a une chemise bleue, levez la main, s'il vous plaît. Deux dos, parce que c'est deux dos pour la vie. Ah, très bien, bah, deux dos alors. Hein. Donc on lève la main, s'il vous plaît, les chemises bleues, n'ayez pas peur, ça fait pas mal, tout va bien, quoi. Voilà, et si vous voyez les chemises bleues à côté de vous, dénoncer. Là, il y a une bleue blanche. Bleu et blanche. Ah, il y a du bleu, hein. Ouais, il y a du bleu. Ah. Là, si. Là, il y a du bleu. T'as de la chance, c'est pas une chemise, toi. Ouais, alors, attention, il faut pas qu'elle soit trop propre non plus. Un peu défléchi, pas repassé. Bah, comme monsieur l'a mais en bleu. D'accord. Bon, alors, qui parmi vous a une chemise bleue pas trop propre? Eh, bizarrement, il y en a pas beaucoup, hein. Allez-y, hein. Non, mais dès qu'elle dit pas trop propre, hop, ça baisse les mains. Ici, là. Là-haut. Non. Ouais, oui, là. Ah, là. Là, monsieur, là, oui, là-haut. Il a une chemise bleue. Oui. Et il a une bonne tête d'amant. Ouais, je trouve qu'il a une bonne tête d'amant. Franchement. Ouais, si ça marche. Et en plus, bonus, après cette scène-là, il y a une scène d'amour à tourner avec Lola. Franchement. On est combien? Le 11. 11. C'est avec Philippe ce soir, mais ça passe. Oh, allez, on l'encourage, s'il vous plaît. Allez. Quoi? Il a le trac. Mais non, mais il faut pas, on est entre nous. Personne ne vous regarde. Exactement. Et vous souvenez ce qu'on a dit, hein, pas de photos ni vidéos, on respecte la vie privée. Alors, comment vous appelez-vous?
Pardon, j'ai compris Margot et je ne suis pas sûr que ce soit ça. Arnaud, très bien, parfait Arnaud. Ben, vous allez vous mettre là. Vert, rose, rose. Voilà, je vous présente Arnaud. C'est Arnaud ce soir qui va faire ton amant. Voilà, ça te va? Non, il n'y a pas mieux, il y a une chemise bleue pas trop propre, un peu dégagée. Arnaud, du coup, à part de la figuration, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Ah, d'accord. J'ai rien compris. Vous non plus, hein, je pense. Ah oui, bah, au premier rang, oui, mais au fond, je ne suis pas sûr, moi. Dans une banque, d'accord, très bien. Et du coup, vous êtes venu en... Normalement, c'est à nous de faire rire. Mais pardon, je pense que je me suis mal exprimé. Je voulais dire, est-ce que vous êtes venu en couple, en famille, super. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter maintenant? Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Alors, Francis, voilà, je te présente Arnaud qui va faire l'amant de Rose. Le petit ami. On va faire la mise en place. Est-ce que tu veux la faire? Bien. Eh bien, on va faire une mise en place. Alors, tu te mets là. Rose, tu peux t'asseoir sur le banc, s'il te plaît. Alors, c'est n'importe où, quoi. Il est là. Là, je ne l'ai pas oublié. Arnaud, donc une mise en place, c'est assez simple. Hein. On ne répète pas, on répète et on ne tourne pas. D'accord? Donc, pour vous, ça va être très simple et très bref. Donc, à mon signal et à mon signal seulement, vous vous mettrez devant Rose, d'accord? Et vous direz, ne tirez pas. Puisque Philippe menace de... Marqué, je pense que vous êtes habitué à la situation en banque. Donc vous êtes l'amant, vous mettez devant Rose pour la protéger en disant ne tirez pas. Puisque Philippe sait que l'amant est dans le et que la dame a fait chute, Charles, Jacqueline, bon. Vous avez suivi depuis le début? C'est mon explication qui n'est pas très claire. Hein? Ok, c'est mon départ, ça ira. Donc, vous êtes l'amant, vous mettez devant Rose pour la protéger, d'accord? Donc, ce que vous allez faire, vous allez être avec nous sur scène, d'accord? Vous allez vous mettre accroupi devant, voilà. Exactement. Pour qu'on ait l'impression, en fait, que pour la caméra, que vous surgissez du public, voilà. On appelle ça une entrée de champ, d'accord? Bon, on va la faire ensemble une fois, regardez, hop, là! Avant, on était trop vite ensemble, ça veut dire tous les deux. Mais c'est pas grave. Donc, on l'a refait. Oui, quoi? On va peut-être pas trop tarder à répéter, parce qu'il y a le starting block, là. Oui. Bon, allez, on la répète. Donc, Philippe, vas-y, quand tu veux. Je sais, ton amant est dans la salle, et je suis venu pour vous tuer tous les deux. Charles! Allez-y. C'est la bonne direction. On va dire que le mouvement est assez aérien. C'est chouette. Mais bon, on n'avait pas dit de le faire en ralenti. En fait, on a l'impression que Rose, elle peut prendre tout le chargeur. Avec un peu plus d'énergie. Voilà. Et sinon, au niveau vocal, est-ce que vous êtes à votre maximum? Parce qu'on n'est pas entendu. Oui, moi j'ai entendu ne brillez pas. Et moi j'ai entendu ne tripotez pas. Moi j'ai entendu j'enlève le bas. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut la faire une fois un peu plus fort, s'il vous plaît, le ne tirez pas? Parfait! Allez, on continue? Oui, de toute façon, on n'aura pas mieux. Alors, c'est de mieux en mieux. Vas-y, dis quoi? Ah, c'est toi, salaud! Ne prenez pas mon poids. C'est dans le scénario. Voilà, donc, à ce moment-là, toi, tu te lèves, tu te mets devant un autre côté, et tu dis ta grande réplique. Attention, Edgar! Il est armé! Coup de feu, tu meurs. Edgar, c'est ridicule comme prénom. Plus personne ne s'appelle
Oui. Je veux bien, mais comment on va l'appeler alors? Et pourquoi pas Arnaud? Non, c'est pire. Bon, dans ces cas-là, je fais attention, il est armé, coup de feu, ah, tu meurs. D'accord. En même temps, on n'a pas besoin de le préciser, hein. On voit très bien qu'il est armé. Oui, c'est vrai. Bon, bah, dans ces cas-là, attention, coup de feu, ah, tu meurs. D'accord. Le type, il a un flingue, il va pas avoir peur, non, monsieur. Oui, bah dans ces cas-là, coup de feu, ah, tu meurs. Je peux rentrer chez moi. Oui. Non, Rose. Non, hein. Rose, il faut qu'on sorte dans ce « Ah !» toute la passion que tu as pour cet homme. Oui. Rose, tu vas te sacrifier pour lui. Bon, alors on continue. Donc, le coup de feu part. Rose est touchée. Et là, elle tombe dans vos bras. Ok. Attention là, Arnaud, c'est pas de la petite scène, c'est du lourd, là. Donc, il veut dire que c'est une lourde responsabilité. Ah, merci. Donc, pour la réceptionner, vous allez prendre la position dite du Playmobil. Wouah, exactement comme ça, bien ancré sur les jambes, voilà. C'est pas gagné. Et on va le maximum, hein, d'accord. Donc, elle tombe dans vos bras, vous pleurez, hein, vraiment, et vous l'adossez délicatement derrière vous contre la poitrine. Ok. C'est bon? On y va? C'est bon pour ça? Donc ensuite... Et moi, je suis où? Dans mon cœur! Non! Bon, Manola, tu es en bas de l'escalier épanoui. Ah. Tu te réveilles et tu te précipites vers Rose en disant « Oh mon Dieu !» D'accord? Super! Bon, c'est bon pour vous? Ok? Eh ben, allez-y, on arrête. Vas-y, ben, Philippe. Ah, c'est toi, salaud! De tendresse et de douceur. Vas-y, Lola. Avec une pelle, Jojo, tu connais la pelle? Vous allez, avec la pelle que Jojo va vous donner, vous allez poursuivre Philippe partout où il va. Ok? Voilà, la pelle. De l'appel plus tard. Non, t'inquiète, quoi? Ce qu'il faut. J'ai le son qui va avec. On va essayer pour savoir si vous êtes menaçant. Ah! Oh là là! Arnaud, la terreur des bacs à sable! Donc vous allez poursuivre partout Philippe où il va en disant j'aurai ta peau ordure. D'accord? Allez, dites-le une fois qu'on rigole. Bon, on répète. J'ai entendu, gratte-moi le dos, Arthur. J'ai de la colle sous ma coiffe. J'ai entendu, j'ai un sacré bavure. Bon, voilà, encore une fois, votre problème de voix, Arnaud. Je promis, c'est la dernière fois que je vous embête plus après. Est-ce que
Allez, donc, vous poursuivez. Vite partout où il va. Voilà, on est sans jambes d'apport. Voilà. Voilà. La carrière n'est pas faite. Et voilà, bravo. Bravo. Répéter une autre fois pour voir. Bon, très bien. Et bien alors, tout le monde en place. Allez, on la tourne. C'est parti. On la tourne. Bah, allez, attends, je tire cette fois-ci. Jojo, tu me feras penser à voir le planning de demain. Ok. 9h. Très bien, Francis. Je tire cette fois-ci. J'ai tout qui était pour elle. Tout. Je tire cette fois-ci. Oh, j'ai chaud, moi. J'ai pas chaud. Par là, Christina. Ah. Alors, vous allez vous occuper d'Arnaud. D'accord. Donc on va lui mettre, voilà. On va lui mettre un chapeau, d'accord, chapeau, et enlever le pantalon. Bon, d'accord, d'accord. Allez, on garde le pantalon. On garde un chapeau, d'accord. Merci Christina. Si les raccords aussi. Je tire cette fois-ci ou pas? Coquillage. Parfait, merci Christina. Non, merci. Non, non, c'est bon. Je vais le faire moi-même. Et Philippe, il est où, Philippe? Mais je suis là. Mais non, Philippe. Mais c'est moi. Ah oui, pardon. Tu n'oublieras pas de tirer cette fois-ci. Ah bah quand même, merci. Oh! Wow! On dirait Geneviève de Fontaine. On vous a déjà dit que vous aviez une tête à chapeau? Bah c'est normal. Oh, c'est la blague, hein, c'est la grande famille du cinéma, tout le monde s'aime. Voilà, donc on va la tourner, hein. Go Arnaud, d'accord? Juste en résumé, donc vous vous mettez devant Rose et vous dites... Super, et vous poursuivez Philippe partout en disant super. Allez, on se met en place, là, accroupi, voilà. Arnaud, là, c'est votre grand moment. Ça peut lancer votre carrière. Hein. Je sais pas trop où, mais ça peut la lancer. Allez, Francis, on y va, c'est quand tu veux. L'auteur, ça tourne. Allons. Une étoile est morte, ça dépend d'Arnaud. 24 sur 2, première. Voilà, bah, il est automatique celui-là. Et action. Je sais que ton amant est dans la salle. Et je suis venu pour vous tuer tous les deux. Charles. Ah, c'est toi, salaud. Voilà, mais c'est bon, il a rien. Bravo, bravo. Sans perdre l'ordre.
Les blancs qui se pendent sur les petits matins. Ça va, t'as fini de brailler? J'étais justement en train de me remémorer tous ces bons moments que nous avons vécu ensemble. Tu te souviens? Mais si, rappelle-toi, on s'est connus sur cette terre-là. Mais non, ça c'était avec ta première femme. Mais non. Mais si. Ah oui, trop tard pour moi. Nous, on s'est connus sur le générique de questions pour un champion. Enfin, Rose, bien sûr que non, ma colombe. Mais qu'est-ce qu'il me veut encore? Mais enfin, Rose, tu ne peux pas anéantir toutes ces années de bonheur comme ça sur la petite tête. Toutes ces années de bonheur? Oui. T'as pensé aux enfants? On n'en a pas. Bon, la tête. Oui, mais si on en avait, qu'est-ce qu'il dirait? Fous-moi la paix. Enfin, Rose, tu dois pas me laisser comme ça, c'est pas possible. Tu t'es réfléchi. Voilà. Avant de réfléchir, si je te quitte maintenant, c'est définitif. Alors si tu dois réfléchir, réfléchis bien. La sortie, c'est par là. Réfléchis mieux. Ce qui m'intéresse, c'est mon argent. Ta maîtresse était bête de jeu. Quelle bête de jeu? Les frères Luciano. Oh, mais ça, c'est des amis, c'est réglé. Ils m'ont laissé un délai. De? Une demi-heure. Ils vont me tuer, Rose. Ils vont me tuer. Ils vont pas arrêter comme ça. Ils vont me demander ma voiture. Une voiture? Oui, pour les chaussures en béton. Ils vont me broyer, Rose. Ils vont me couler. Oh, je sais. J'ai pas toujours été un mari exemplaire. Mais je t'en supplie. Je te demande une dernière fois, s'il te plaît, Rose. Mais je t'endrai, ça va aller. C'est si grave que ça? Oui. Ils vont vraiment te tuer? Oui. Mais va-t'en. Ah, c'est la guerre, tu veux? Tu l'auras. Je vais prendre les meilleurs avocats, j'ai le droit à une part de ta fortune. Tu n'as droit à rien du tout. Tout est à moi. Et à moi qu'il m'arrive quelque chose, tu es à la rue ou au fond de l'eau. Adieu, André. Si, Luigi, Christa, et la femme. D'accord, j'arrête de parler italien. Oh non, il va bien. Oh, j'ai juste besoin d'un petit délai. Ça va? La voiture? Bah écoute, ça dépend des marques. Non, Luigi, non, Luigi, non, viens ça, Luigi, non, Luigi, non. Attends, j'ai peut-être trouvé la solution. Oui, j'aurai l'argent. Et même plus si tout se passe comme prévu. Allez, à ce soir. Ça y va, les SMS. Mon amour, je t'aime, tu me manques. Les salauds. Ah, puis il y en a plein. Ah. Francis. Oui. Tu n'aurais pas vu mon portable? Non, pourquoi? Enfin, mais pour qui tu me prends? Je ne vais pas m'abaisser à voler ton portable pour lire les SMS que tu envoies à ton maman. Tu ne veux pas. Et puis, tiens, s'il te plaît, toi, viens te prendre. J'ai envie de passer toute la nuit avec toi et de te faire l'amour jusqu'au petit matin. Oh la vache! Francis? Oui. Mais pour qui tu me prends? Je ne vais pas m'abaisser à voler ton pistolet pour lire les SMS que tu te... Non, je l'ai pas vu. Bah, demande à Jojo. D'accord. Papa. Oh. Non, tu sais où? On fait un truc de pote. Ça va. Mais ça n'arrête pas. Il y en a des centaines et des centaines. Mon amour. Je t'aime. Voilà. Là, c'est mon corps. Mais putain, j'ai failli crever! Quand tu sais bien que j'ai un pacemaker en plus, c'est vachement dangereux! Tu savais que c'était toi! Dis donc, ça y va les SMS! Rends-le-moi! Mon amour, je t'aime, tu me manques! Attention, encore là, l'autre con! C'est qui l'autre con? Rends-le-moi tout de suite! C'est qui? Ce 06 11 51 50 50! Tu vas me payer! Dis-moi qui c'est ou je me fous dans l'eau! Tu vas souffrir, Chouchini! Viens me finir un dernier plan, je te vois tout de suite! C'est
C'est quelqu'un de l'équipe, je le savais. Si tu me le rends, je te dis qui c'est. Dis-moi d'abord, je te rends après. Francis. Quoi? M'en fous, j'ai noté le numéro. Voilà, Francis. Qu'est-ce qu'il y a? On reprend quand tu veux. J'ai noté le numéro. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quoi? Coupe ton portable, il a ton numéro. Mais le perso? Mais comment il a fait pour l'avoir? Je ne lui ai jamais donné. Oh, donc t'es là, moi, hein. Merci beaucoup. Bon alors, Baptiste, ça fait un repos, là? Oui. Allez, bah, c'est parti, on y va. Et tout le monde en profite pour rallumer son portable. Parce qu'on l'a dit, ça. Quand on ne tourne pas, on rallume les portables. Oh tiens, Baptiste, c'est le pistolet de Philippe, faudra penser à lui donner. Ah oui, bien sûr, je vais lui donner. Oui, donc Jojo s'en est occupé, il est chargé à blanc, il n'y a plus qu'à l'armée. Ah bah merci André, c'est gentil. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je me demandais si... Qu'est-ce que tu te demandais? Ah, en fait, je me demandais si Philippe, il connaît bien son arme. Il l'atteint très bien, Philippe est un professionnel. Non, parce que Philippe, lui, il l'atteint comme ça. C'est pas terrible. Hein. Alors que par exemple, les cow-boys, eux, ils font comme ça. Oui. Ah, c'est mieux, non? Ou alors, par exemple, autrement, De Niro, lui, il fait. Hein? Alors qu'est-ce que vous préférez, André? Comme ça, ou à la De Niro, comme ça? Tu risques de blesser quelqu'un. Dis par là. Mais non, mais ça risque rien, il est chargé à blanc. Alors oui, je peux tirer là, je peux tirer là, ou je peux tirer là sans problème. Ah! Mais attendez, André, vous avez vu, mais la balle, la balle. Donne-moi ça, tu sais rien, t'as rien vu. Comment ça? Tu sais pas que le pistolet est chargé avec des vraies balles, et moi, en échange, je produis ton film. Non mais attendez, André, si on tire avec des vraies balles, on risque de toucher Rose, et elle va mou. Quoi? Je produis ton film avec Lola dans le premier rôle. Mais c'est un meurtre! Oh, un meurtre tout de suite! Bon, de toute façon, tu n'as pas le choix. Comment ça? Tu veux que je te montre les photos du dernier réalisateur qui a refusé de travailler avec Lola? Oui, je sais, Philippe, il m'en a parlé. Non, mais attends, il faut que tu regardes. Tu vas voir, c'est très intéressant. Tiens, j'ai plein d'œil. C'est pas ça. Oh! Oh mon Dieu, mais quelle horreur! Oh! Non, ça c'est ma sœur. Tiens, regarde. Ah, mais non. Alors, tu vois, tu veux pas finir comme ça. Non. Et puis, qui tu préfères dans le premier rôle? Hein? Rose ou Lola? Oui, c'est sûr, effectivement, je préfère Lola. Ben voilà, marché conclu. Non, André, je peux pas. Marché conclu. Ah non, André, je peux pas. Conclu. Ah non, André, je... J'ai gagné. Ah bah non. Ah bah si, trois culs à deux peu, j'ai gagné. Ah bah non, on va faire une. Non, c'est bon, j'ai gagné. Allez, tout le monde en place, on y retourne. On est prêt à tourner, mais c'est fort. On est prêt à tourner, ça m'étonnerait, on a plus d'amende. Quoi hein? Ah oui, figurant sur tiré. Francis, on a plus d'amende. Bah, moi, j'ai plus de réseau. Ah, et ben voilà, André, désolé, on n'a plus d'avant, on ne peut plus tourner. Ah, voilà. Non, on ne peut pas annuler une journée comme ça. Vous savez combien ça coûte une journée de tournage? Non, on va en prendre un autre. Bon, alors il nous faut un amant. Non, mais c'est pas possible, ils sont pas assurés. Ah oui, c'est pas possible. Ouais. Oui, t'as raison, c'est trop compliqué. Exactement, c'est trop compliqué. Tu vas le faire, quoi. Qui? Toi, tu vas faire l'amant. Non, c'est pas possible non plus. Non. C'est pourquoi? Parce que je sais pas nager. Oh. Ah ouais. Si, c'est bon. Christina, problème réglé. Allez, non. Christina, accord, coquillage et crustacé. Allez, on y va. Viens, Philippe, faut que je te vois. Francis, on y va? Rose, oh ma Rose. Je crois que tu n'es pas dans le plan. Voilà, tu peux aller dans ta loge, j'allais dire. Mais comment ça, tu n'es pas dans le plan? Reviens, toi. C'est ma grande scène, celle où je meurs. Allez, ben ça c'est sûr, oui. Et si elle mourait d'autre chose hein, mais oui, si elle mourait d'une longue maladie atroce, ou d'un accident d'avion, hein? N'importe quoi. Mais si on change de lave-pas, allez, il pourrait faire ménage à trois, ou je sais pas, hein? Allez, s'il te plaît, Jojo. Bon, allez, on y va, là.
Non. Bon, allez, allez, on y va, on y retourne. Bon, et Francis, qu'est-ce qu'on fait, on y va? Ouais, ouais, bah, moteur, allons-y. Oh, oh non. Qu'est-ce qui se passe encore? Ça a sauté. Bon, allez, c'est, j'en ai pas d'allumé, je m'en occupe. Bon, tout le monde en profite pour rallumer son portable. Quoi? Ne tire pas. Comment? Oui, oui, André a mis de vraies balles dans ton pistolet, il est vraiment chargé, ne tire pas. Oui, et alors? Et alors? Bah, si tu tires, tu risques de blesser Rose. Moi, je suis un professionnel, Baptiste. J'ai une selle à tourner avec une arme, on m'a donné une arme, et tout ce que j'ai à faire, c'est faire mon travail. Le reste, ne regarde pas. Mais t'es con, quoi? Mais je viens de te dire que ton pistolet était vraiment chargé! Peut-être, mais je veux pas le savoir. Comment ça? Ça fait 20 ans que j'attends ma chance. 20 ans que je rayonne tout seul comme un con! Et aujourd'hui, André me tend la main et me propose un rôle dans sa prochaine production. Un rôle à la hauteur de mon talent. Martha, la grosse prostituée allemande. Et tout ce que j'ai à faire, c'est jouer ma scène. Je serais quand même fou de refuser. Il y a problème, mon petit fils. Oh non, non, pas du tout, André. Je ne pense pas qu'on perd du temps, là. Mais vous êtes des grands malades, hein. Vous voyez qu'on s'était mis d'accord? Oui, oui. Ah oui, je suis bien d'accord. Je vais appeler la police. Attends, attends. Avant d'appeler la police, je voulais te présenter les trains du canon. Je les connais tous deux d'accord, ils sont très sympas. Non, hein. Le grand et le petit déroulé, là. Ah. Ils sont là parce qu'ils nous sommes dans la terre. Oui, ça fait égard, je ne les connais même pas. J'ai rien à faire avec eux. Alors si, parce que je vais parler de toi, et ils sont là pour vérifier que tout se passe comme prévu. Et ils ont horreur des contretemps. Capito. Ça veut dire bon appétit. Ah oui, autant pour moi. Ça veut dire quoi déjà? Bon, bref, Capito ou pas Capito? Da! Ah, ah! Bon, allez, on y retourne. Allez, allez, allez! Bon, tout le monde est là? Bah oui, tout le monde est là, ça fait une heure qu'on attend. J'en peux plus, je suis mort. Déjà, toujours ce messagerie. Je vais le démolir! Quoi? L'amant de Lola, il va bien finir par rallumer son portable. Et là, je le démolis! Bon, Baptista, c'est pas le moment de téléphoner. Oui, oui, oui. Baptista. J'arrive, j'arrive. Bon, Baptista. Oui, j'arrive. Oh, vous voyez, là, oui, chaud. Très, très chaud. C'est là. Là. Ah, quand coquillage. Elle est affreuse. Bon, Baptista. Francis. Je sais qu'il est l'amant, il a rallumé son portable, vite, rappelle, vite. Là, non, allez, qu'est-ce qu'on attend là? On y va là, silence, on tourne, clap, action, toi vas-y, dégage, vas-y Philippe. Je sais que ta maman est dans la salle, et je suis venu... Ah, portable, coupez, on coupe, voilà. J'ai pas pris mon portable toujours. Si, ça vient là. Oui, là, France. Oh! Ah, c'est toi, salaud! Espèce d'ordure! Salopard! Venez! Mais ça va pas, Francis, mais qu'est-ce qu'il te prend? Donne ça! Non. Ah, si! Non! Ah! Mais enfin, arrêtez, vous êtes complètement fou! Oh, non! Mais enfin! Mais. Alors, mais vous avez ces. Non, mais attention, mais franchement, je n'aurai pas. Tu touches pas, Manola, t'as compris? Tu touches pas. Mais arrêtez, vous allez tuer quelqu'un. Non. Non. Mais qu'est-ce que t'as fait, là? Mais je sais pas, moi j'étais comme ça, et puis... Oh, bien. Est-ce qu'il y a un vétérinaire dans la salle? Pourquoi un vétérinaire? Parce que c'était une bête de scène. Son cou est faible. Ah oui, ah bah tiens, prends le mien, tu verras, il est beaucoup plus fort. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh bah oui, évidemment, pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Mais qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai rien compris. Eric se décolle. Mais tout espoir est perdu alors? Oh non. Police, personne ne bouge. Le théâtre est cerné. Ah, on a tiré sur Rose. C'est André Coutou, le grand chauve, l'assassin. Il est où? Je sais pas. Il est là. Ah. Allez, tout le monde en fond, les mains en l'air. J'ai dit tous. Rendez-vous, André Coutou. Vous n'avez aucune chance.
Oui, j'ai appelé la police, soyez raisonnable, André. Ah ! Le théâtre est cerné, vous direz du pas. Comme si je prends un otage. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Moi j'ai entendu sauf si je reprends du fromage. Moi j'ai entendu sauf si je fais le ménage. Non, j'ai dit sauf si je prends un otage. Ah, d'accord. Eh bien moi je serai vous, je prendrai vous. Ah oui, oui. Alors au risque de vous surprendre, je préfère un otage vivant. Oh, c'est dommage. Oh, franchement, c'est gâché, on va plus s'en servir. Bon alors, c'est otage, ça vient mieux, non? C'est Philippe, il est où, Philippe? Il est pas là. Ah, c'est une heure qu'ils sont là, n'ont rien fait. Ah bah oui. Et ma parrain qui peut... Ah, ah bah t'es pas mort, toi. Mais, ça fait longtemps que je me méfie de toi. Et ça fait 2 heures que je vis avec un gilet pare-balles, jour et nuit. Je suis là. Bon alors, cet otage, ça vient, oui ou non? On va une fois d'otage. Ah oui, avec une chemise bleue. Oui. Qui? Moi. Ah non, 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 mais moi, je me râle pas, j'ai déjà fait Lola, l'amant, allez, stop, maintenant, c'est bon. Oh. Voilà, problème réglé. C'est plaisir. Ah, oh, mais non.
rôle de l'amant et... Oh, pardon, Philippe, t'avais pas vu. Le rôle de Philippe, François. Dans le rôle d'Arnaud, Eric. Merci beaucoup déjà d'être venus si nombreux, ça nous fait super plaisir. Et puis cette année, on aimerait dédier notre présentation à Jean-Louis Roger, qui était maire de Cité-sur-Erdre et qui nous a quittés récemment. On remercie aussi beaucoup la mairie, à Marie-Laure Coupimoris, qui est là, la Claude avec Culture. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à nos sponsors, vous avez leur petit logo sur nos programmes, merci beaucoup à eux. Et puis enfin, les troupes de théâtre qui sont des comédiens, mais ce sont aussi plein de gens derrière nous qu'on ne voit pas sur scène. J'aimerais remercier Vianney Grégoire, notre metteur en scène qui est tout là-haut. Merci beaucoup à Jean-Claude aussi qui a la régie avec lui là-haut. Merci aussi à aux personnes qui ont fait les décors magnifiques qui sont derrière nous, Yannick, Loïc et Annick. Merci. Et puis merci aussi à tous les bénévoles qui étaient aux entrées et aux bars. Ce ne serait pas possible sans eux, tout ça, donc merci beaucoup à eux. Et puis enfin, on joue encore demain, donc si vous voulez faire de la pub, dépêchez-vous. Et puis ouais, c'est nos dernières demain. Merci beaucoup en tout cas. Et bon retour au barrage.